Salut gang, pour le monde qui me connaisse pas, mon nom c'est Henrik Lopez, puis je suis diplômé d'un doctorat en génie des ventes, puis je suis un successful businessman. Il y a bien des fois où je marche dans la rue, puis que le monde s'arrête, puis qu'ils me regardent, puis qu'ils se disent « Comment qu'il fait pour être aussi successful? » Ben la réponse est facile. J'ai beaucoup lu. J'ai commencé par lire les 6 Harry Potter, après ça j'ai lu « Cardio pour l'esprit » de José Lavigueur, ça m'a fait énormément grandir. Qu'est-ce qui est bien important pour moi aussi quand t'es un businessman, c'est le sport. Moi, je fais du karaku, c'est un petit peu comme le karaté, mais plus avancé. J'aime aussi ça sauter dans la piscine, ça m'allume la pensée, puis ça m'aide aussi à être businessman. Tu sais, il y a du monde dans la vie qui dit « tu l'as ou tu l'as pas ». Ça, c'est de la bullshit. Pour moi, c'est tu rencontres le bon monde, puis tu leur vends des chars. Moi, ça n'a pas toujours été évident, mais j'ai commencé à vendre chez Hyundai. Après ça, j'ai grow up, j'étais allé chez Mazda. C'était un petit peu trop facile pour moi, il me fallait de quoi de plus grande envergure, fait que j'ai été recruté chez Lamborghini. Ça fait 2 ans que je suis là, puis ça fait 2 années d'affilée que je suis le plus grand vendeur successful chez Lambo Rive-Sud. Fait que je voulais faire une petite vidéo, mes boys, juste pour vous faire un petit message de successful, pour en allumer une coupe, puis vous dire que dans la vie, même si tu l'as, ben tu peux l'avoir encore plus, alright? So, d'ici là, restez là parce que je vais vous faire une autre vidéo la semaine prochaine pour comment être businessman puis successful en 3 étapes faciles. So, stay tuned, guys, parce que Henrik Lopez, il est successful, mais il est pas juste successful, il est businessman. All right, see you soon, guys. Okay, Lamborghini Mercy, yo chick she so thirsty, I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk me.